Il y a moins. Tiens, Nathan Mirek, t'es toujours là, ouais. Je te vois sur le Discord. Il y a beaucoup moins de problématiques de perspective que dans le premier. J'ai vraiment beaucoup galéré avec la perspective dans le premier opus. Là, j'ai beaucoup moins de. Je trouve qu'elle est mieux faite quand même, la perspective. Parce que je suis pas très doué et les soucis que j'ai généralement sont liés au fait que je suis un débile. Mais pas des problèmes de perspective, quoi. Non, là, il y avait un truc là. C'était sûr qu'il y avait un truc là. C'était sûr, c'était sûr, c'était sûr. Alors, analysons un peu. Là-dedans, il y a quoi? Non. Bah voilà. Ah bah je comprends bien. Pose-toi, pose-toi, t'inquiète. Allez, mets la clé dans l'autre trou. Voilà. C'est magique. Ça a fait quoi là? Attendez. Non, ça c'est là d'où je viens, ça c'est pas par là. Attends, j'ai dû activer. Bon, on va redescendre. Non? Si? Pourquoi elle pleure? Elle a l'air désespérée, la pauvre Six. En mode, il est vraiment trop con. Elle a l'air tellement désespérée. Elle a fait vraiment un geste en mode non, non, mais c'est pas possible, il est trop bête. Je me fais tellement trash par ma coéquipière là, c'est catastrophique. Regardez ça, elle est blasée. On va où, Six? Dis-moi. Au secours. Elle est blasée de ouf. Attends, à quoi ça sert d'activer à gauche? Ça va bien servir à un truc, putain. Mais qu'est-ce qu'on fait, Six? Parle-moi. Montre-moi. Bah, on va là, alors? Si j'avais pris la clé. Mais qu'est-ce que ça change? J'ai sauté ici. Elle veut vraiment pas venir à l'ascenseur. Oh, tu dis courage, mais tu souhaites que je me plante, toi. Hein. Je le vois, ton gros 2 de snooze. Hein. Putain, je comprends pas. Vas-y, je la pousse. C'est un courage biaisé, snoozette. Hein. Non mais c'est pas l'ascenseur. Qu'est-ce que je dois faire, Six, putain? Qu'est-ce que je dois foutre? Parce que à droite, je peux pas y aller. À droite, c'est là où j'ai grimpé. Je peux pas y aller. Et les bords, va chier. Fais gaffe, les raids pendant New World, Snooze. Voilà, pense à tes 1000 viewers, Snooze. Dès que j'ai 1000 viewers, je cut instant pour te raid. Juste pour te faire chier. Putain.
Mais tu veux qu'on fasse quoi, Six? Parle-moi, putain, j'ai l'impression d'avoir Bibou, quoi. Prout. Prout à toi aussi. Ah, ça me rend ouf. Je comprends pas. Ça me rend dingue. J'avais pris l'ascenseur, mais j'ai pas vu ce que ça faisait, enfin... Parce que là, j'en viens d'ici... Arrête de faire l'état désespéré, toi! Non, mais y'a un truc avec l'ascenseur. Y'a rien qui se déclenche. Non, putain! Attends, je dois tout refaire. Salut Balthazar. Mais je dois être con, hein. Je vous jure, je dois être con, hein. Non mais je dois être stupide, hein. C'est un délire. C'est un monstre. Ça m'a remis. Oh putain. Salut à ce bureau. Oh putain. Où est-ce que je peux aller? Est-ce qu'elle va être... What? D'accord, ce TP. Très bien. Non mais si on le débloque l'ascenseur, il y a forcément un... Attends, j'aurais essayé un truc. Ok, ça appelle l'ascenseur, ça. C'est pour ça qu'il se passe rien quand il est en haut. Ok. Très bien. Au moins, je sais à quoi ça sert maintenant. Qu'est-ce que ça peut me faire que l'ascenseur, je puisse l'appeler de là-haut? Qu'est-ce que ça change? Parce que on a besoin d'être deux, donc elle pourra pas l'appeler toute seule. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Pas, non, j'ai pas. Qu'est-ce que ça change? Ah, j'arrive pas à sauter! Ça m'en fout. Le sprint qui passe pas, ça me rend ouf. J'ai envie de désinstaller le jeu rien qu'en regardant le stream. Ah putain! J'arrive pas à sauter, ça me rend fou. Eh merde. Il a rien du tout, si ce n'est du désespoir dans la voix, complètement. Oh mais non, j'ai que là. Un enfer. Ah, putain, c'est pas possible. Tu trouves Ascris ça? Bah ça dépend, une fois que t'as la strat, il est bidon, mais faut avoir la strat quoi. GG à toi en tout cas.
Moi, tu vois, par exemple, j'ai galéré, et quand t'as la strat, en fait, après, enfin, tu comprends comment ça marche, c'est bilan, mais... Ce qui est le problème, je trouve pour le coup que c'est pas très bien foutu, hein, parce que... ça devrait être plus clair, je passe pas jusqu'à les gens qui sont pas encore dessus, mais bon. Oh putain. Mais pourquoi il sprinte pas? Il sprinte pas quand il y a l'ascenseur, ça me rend ouf. Hein? Attends, t'as vraiment galéré sur les diacres? Non, en plus c'est moi qui ai mal lu. Ah non, t'as fait un mix en fait entre cathédrale et capitale, ok. T'as vraiment galéré sur les diacres? Mais comment? C'est le pire boss du jeu! Là par contre, je comprends pas là. Il t'attaque jamais? Ils étaient si nombreux. Non mais... Je refuse. Attends, j'ai peut-être une idée. Vas-y, viens là toi. Peut-être, je crois que j'ai compris. Yes! Je retiens mon GG parce que les diacres c'est long. Ah yes. Putain. Pourquoi tu... Sérieusement, parce qu'il faut que je ramène la caisse là. Attends. Voilà, c'est bon. C'est quoi l'antenne là-haut? Oh là là. Oh, l'antenne elle fout la même merde dans la tête là. Oui, non, mais je sais, merci, j'avais pas oublié, Izzy, bordel de cul. Je demande ce qu'elle fait, cette putain de l'antenne, c'est tout. Bordel, là. J'ai bien vu que c'était le gamin en bas, l'antenne était retournée sur son dessin. Ni. Elle antennise. Vas-y, à tout de suite, bonne douche. Ah, les énigmes. Terrible énigme. Les énigmes. C'est pas ça. Là, j'ai vu le pantalon, je me suis dit on allait pouvoir s'accrocher. Voilà, j'ai imaginé des trucs. J'ai imaginé des trucs. Et vous savez quoi? Tout s'est pas bien passé. Et je vois pas ce qu'il y a d'autre à part le gamin à bouffer. Peut-être que si je ramène la gamine. Ah là-bas. Non. Non. Bah oui, c'est une énigme. Je vais détruire Curse of the Late God, j'ai laissé le stream force. C'est bien, tu penses au point de chaîne. T'es même pas venu en plus, Singling. Si t'étais là, je sais plus. T'étais là ou pas d'ailleurs mercredi pour les points de chaîne? Comme je t'avais motivé de venir de voir les, de voir ce que c'est les OS Games. Enfin de voir les bots. Il y a une énigme ici. Mais oui, il y a une énigme. Non, j'étais pas là, j'ai pas pu. Eh ben chais, t'as raté. Tu as raté en plus le record, le nouveau record de vote. 2,2 millions de points de chaîne dépensés. Pour ce jeu. Nouveau record. Enfin, pas pour ce jeu, mais en tout, quoi, pour ces bots-là. 2,2 millions de points de chaîne. Et il a failli perdre contre Ori 2. Ça s'est joué à rien, il y a eu un hors-jeu final de Saruwak qui a permis la victoire de Little Nightmare. J'y fuis avec mes 4 K-points. Hé hey, est-ce que tu les as mis dans quel jeu, Shion, tes 4 K-points? Putain, faut aller où?
C'est Backstreet Boys. Ah bah ça va. Eh bah alors, ça se trouve, eh. Tu vois, ça joue, c'est, ça peut jouer à 1000 points. Hein. Stop, pire le jet, regarde. Donc tu veux que j'arrête d'être un... Ah, succès déverrouillé, 26. Eh, il vient de faire un... Absolument, Singling. Alors, pas quelqu'un, en fait. Singling, t'es sur mon Discord ou pas? C'est pas quelqu'un, c'est toute la commu, en fait. Il y a une guerre entre les deux jeux. Ce jeu a fini à 870 000 et Ori 2 est à 850 000. Ori 2 a pris 2 secondes après la fin à 100 000 points de chaîne qui l'avait passé à 950 000, mais c'était hors jeu donc ça n'a pas compté. Et donc avec 20 000 points de chaîne d'avance, c'est Little Nightmare qui a gagné. Je te gagne. Bon, alors attendez. Ah, oh, les énigmes, putain! Ori 1 était pas ouf! Arrête, il est génial, Ori. Ori 1 est pas ouf, c'est fantastique, Ori. Après Little Nightmare aussi, ceci dire. Mais Ori, non, non, arrête, visuellement, tout, c'est génial. Après, ils vendent le jeu comme un Metroidvania, le 1. Non, le deuxième est visuellement un Metroidvania. Le premier, on est plus sur un... Un Die and Retry, un platformer Die and Retry, quoi. C'est un focus. Pourquoi vous êtes tilté, là, sur le... Mais ils mettent des énigmes tout le temps dans le jeu. JPP, quoi. Mettez plus un tous les triggers là. Mettez plus un tous les triggers là. Sur le chat. Easy, tu vas te prendre. Bon, attendez, on va commencer les timeouts. Acroma, 6 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres motivés pour les timeouts? Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres motivés? Vous me dites, hein. Hop. Ça me rend ouf, hein. Ça et les bords, t'as trouvé direct, tu vas me dire? T'es trop forte, hein. Fallait pas voter pour moi, il est... Oh, il reste quoi, 2 heures? Oui, on se marre bien sur le vocal, en tout cas. Il y a pas d'énigme, putain. Mais si, il y a une putain d'énigme. C'est toi, la putain. Non, on pouvait dire ça à une femme. Si, c'est une énigme. Bien sûr que c'est une énigme. Théo Pouris. Même trigger, ta maniaque. La vie est une énigme, en fait, je crois que c'est ça qu'il a voulu dire. Tout à fait. Je comprends pas, ça me rend ouf. Ça sert à quoi d'ouvrir la porte? À part pour en sortir. Je comprends pas. Oui, mais après, je sais pas où je dois aller. Attends. Ah, ça s'escalade peut-être, ça? Non. Eh, je vous jure, ça m'en ouf. Hein. Oh putain! C'est bon! C'est une énigme. Ça, c'est. Pour vous, ça, c'est une énigme pour moi. Hein. C'est un petit goûter, ça, dans tout le monde. C'est... Mais c'était une énigme pour moi, ça, je confirme, hein. Je persiste et signe, hein. C'est une énigme. Ta-na-na-na-na-na-na. Non, tac. C'est les... Tu rends fou. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai très très peu d'amis. Les gens me supportent pas très longtemps, généralement. Ah là là.
Il me reste combien de temps, ce cure, pour finir le jeu? Je suis sûr que t'es en train de chronométrer quand t'es un grand malade. Je vais jamais arriver dans les temps, hein, ce jeu. Attends, au pire. Ah, ah ouais. Non, mais à aucun moment il fait ce saut d'habitude. Mais je viens de boire un Red Bull, je suis en pleine forme. Je vais pas en plus, j'ai plus rien à goûter, je commence à peur de bouffe. Faut que j'aille faire des courses. C'est toi en plus qui est complètement bigleux à Soburanan, ce que tu peux aller dire. Tu vois, il y a Kyochi. Le S game qui a fini en saga. D'ailleurs, en parlant de saga, on va retourner sur Halo dès lundi. Changer encore un peu le planning. Enfin, il n'y aura pas que Halo, mais on va faire du Halo et du Soulslike lundi. Hein. Pour finir Halo 2 lundi. Hein. Non, continue comme ça, j'ai les points à gagner. Hein. À part Goristas qui a misé 60 000 points contre moi. Qui a misé aussi beaucoup de points contre moi là? Vous avez misé combien les numéros 2 là? Mais putain. Oh, c'était pas mal ça. Ok. Speedrun. Wow. Wow. Tu l'as déjà fini ou recommencé une game? De quoi tu parles? De ce jeu là? Mais non, je découvre. Alors, je suis pas con quand même. Un jeu d'énigmes que j'ai déjà fait, je m'en rappelle par contre. Salut Shadow. Ah merde. Oh là là. On court. Ah, Six, elle est morte là. Hein. D'accord, ok. Le peu que j'ai reçu depuis les votes des SOS. Allez, 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 Six. Allez. Non, Gabriel RND, je découvre complètement le jeu. Ah, je suis pas mort! Après l'hôpital. Je te demanderai au cas où de ne pas spoiler, hein. Je suis après l'hôpital. Mais non, Six! Elle peut marcher encore? Ça va les jambes? Ça va. C'est une costaude, hein? Costaud de Six quand même, hein? Allez, ma belle, on y va. Costaud de. Costaud de la petite Six, hein? Les dessins. Elle a survécu un coup du lapin. Pas de soucis, Gabriel. Tu l'as pas fait, mais c'est pour ça que je te préviens. Fais attention, ça serait dommage. Alors attends, il est attiré par la télé. Six n'a pas l'air du tout d'être affecté par contre. En gros, il essaie de rentrer dans la télé. Et merci beaucoup pour le follow, Gabriel. Bienvenue à toi. Merci. Est-ce que c'est la télé qui fait ça ou est-ce que c'est lui qui a un pouvoir dessus hein? Bon, ça je galère un peu. Hein. Il est projeté dedans. Il se rapproche de plus en plus à chaque fois de cette porte. Mais Six va finir par le secourir. Peut-être qu'à un moment elle pourra pas, il va finir en spectre aussi.
Et là, elle va nous sortir. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? L'antenne? Bonjour. C'est ça d'accord le bordel en fait. C'est ça d'accord le bazar. Six, non. Non, non, il lui fait pas de mal. Non, il pourrait rien faire pour la sauver, pour le coup. What the fuck. D'accord, les transmissions, en fait... C'est genre une image rémanente des gamins qui se sont fait bouffer par le mec de la télé. Hein. Enfin, capturé par le mec de la télé. Oh non, petite Six. Non, non. What? What the fuck? What the fuck? Je reviens, je vais éteindre, enfin fermer les fenêtres, je reviens.